Bah c'est vrai, c'est-à-dire que dans notre groupe, on ne s'est jamais donné une étiquette métal. C'était après tout toujours le rock à notre base, et c'était nos racines auxquelles nous sommes restés fidèles. C'est peut-être la seule chose qui est restée. Plus de 200 millions d'albums vendus, dont le deuxième album le plus vendu de tous les temps. Une recette simple, mais terriblement efficace. Des concerts débordants d'énergie et d'explosion, du rock'n'roll à l'état pur, et un guitar hero devenu une icône avec son son bien sûr, mais aussi son accoutrement. Ça fait maintenant plus de 50 ans que AC/DC régale le monde entier de leur hard rock puissant et bluesy, sans lassitude aucune, avec un sens de la controverse maîtrisé et faisant preuve d'une gestion de carrière exemplaire. Dans cet épisode, je vais vous raconter les origines du plus mythique des groupes de hard rock, et on va analyser quelques-uns de leurs meilleurs morceaux, et voir plus généralement quelle est la formule magique de leur incroyable succès. Le groupe australien a beau avoir la tête en bas, ils l'ont quand même bien sur les épaules. Et justement, vous allez adorer la transition, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Novium. Car là où je suis, dans l'hémisphère sud, on a beau avoir la tête en bas, on a quand même besoin de continuer à écrire, notamment les scripts de ces vidéos. Et c'est là que Novium est super fort, ils ont créé une gamme de stylos overpen qui sont carrément rock'n'roll, ultra classe, léger et hyper bien équilibré. D'habitude, je prends mes notes à l'arrache sur mon téléphone quand je pense à un sujet de vidéo ou que je veux développer une idée, et là, depuis que j'ai ce stylo, le Overpen 2.0 Interstellar Edition, je me suis remis à écrire physiquement, et franchement, c'est un régal. Alors Novium, je vous avoue, je connaissais pas la boîte, mais je me suis un peu renseigné, ils existent en fait sur les marchés asiatiques et américains, et ils s'implantent maintenant en France. Avec des produits comme ça, je pense que franchement, ils vont cartonner. Et je trouve qu'investir sur un stylo aujourd'hui, à un moment où tout est digital, revenir dans le vintage avec un stylo futuriste comme ça, mélanger les genres, c'est super intelligent. Les gens, ils vous voient écrire avec ce stylo, c'est sûr qu'ils vous demandent ce que c'est tellement il attire les regards. Donc non seulement ça fait plaisir d'avoir ce overpen, mais en plus, croyez-moi, ça booste votre créativité, parce que l'écriture, elle est fluide, ça donne tout simplement envie d'écrire en fait, c'est assez fou. Alors après, si vous êtes curieux comme moi, vous pouvez essayer de comprendre comment ça marche, et pourquoi le stylo reste stable à un angle de 23,5 °, comme ça. Même le magazine Time l'a désigné comme l'une des meilleures inventions de 2022, et d'ailleurs, je vous mets le lien en description si vous voulez voir l'article. Je suis vraiment content que Novium ait pensé à moi, parce que vous allez le voir, cette vidéo, elle est assez longue, et c'était un bonheur de faire glisser ce stylo sur mes feuilles pour la préparer. Si vous aussi vous voulez faire un cadeau original, élégant et utile, ou si vous voulez juste vous faire kiffer et reprendre goût à l'écriture, alors foncez, je vous mets le lien dans la description avec un code promo de 10% qui fait toujours plaisir. Je remercie encore Novium pour leur confiance, et maintenant, on branche le courant, on monte le son, la story d'AC/DC, c'est parti. Alors AC/DC c'est un groupe australien, mais à l'origine c'est surtout l'histoire d'une famille écossaise, les Young. Les parents Young ont 8 enfants, et tous jouent au moins d'un instrument de musique. En 1963, l'hiver écossais est dégueulasse, et l'appel du climat australien décide la famille à déménager de l'autre côté de la terre. Au sein de la fratrie, c'est George qui émerge le premier sur la scène musicale en formant le groupe Easy Beats, qui aura son petit succès aux antipodes. Puis c'est au tour de Malcolm, dont la spécialité est la guitare rythmique, de monter une formation avec le bassiste Larry Van Creet, le batteur Colin Burgess, et au chant Dave Evans. Les gamins ont alors 17-18 ans, ils s'éclatent, mais leur son il est un peu creux. Malcolm demande donc au Benjamin de la famille, Angus, de les rejoindre en tant que guitariste lead. Soucieux de son image, celui-ci a déjà discuté avec sa sœur Margaret de l'importance de se démarquer sur scène, et après avoir essayé plusieurs costumes, elle lui suggère de tout simplement s'habiller comme à l'école, en uniforme, avec un short écossais et des chaussures de tennis. C'est pratique, comme ça il peut aller répéter directement après l'école. Dites-vous quand même qu'il y avait eu d'autres suggestions, et qu'on a échappé à ce genre de Angus Young sur scène. Mais Margaret n'est pas un coup de génie près, c'est elle aussi qui va trouver le nom de leur groupe. Alors il y a plusieurs théories sur cette histoire, la plus vraisemblable c'est qu'elle aurait vu les lettres AC/DC sur un adaptateur secteur d'une machine à coudre ou d'un aspirateur selon les versions. AC pour courant alternatif et DC pour courant continu. Les frères ne résistent pas devant ce nom qui conduit parfaitement l'idée que le groupe est électrique, qui dégage une énergie folle avec beaucoup de tension et une grande intensité. Bref. C'est la watch qu'elle préfère. En vrai, c'est tellement intense que le line-up change une tonne, je vous épargne le nom de certains membres qui restent en poste quelques semaines seulement. Malgré ce turnover digne d'un gouvernement de droite ou de gauche, je veux me fâcher avec personne, le groupe enregistre quelques morceaux dans un studio de Sydney et se fait sacrément la main sur scène, au point d'acquérir une certaine notoriété locale dans un premier temps.
Ils font même la première partie de Lou Reed, et sur conseil d'un promoteur australien, Michael Browning, ils quittent le style glam rock qui les caractérise pour se concentrer sur le style qui leur correspond le mieux, le blues rock. Ce qu'on va retenir, c'est que le chanteur Dave Evans fait un peu sa diva, il oublie de se pointer à un concert et il se fait donc dégager. Les frères Young demandent alors au chauffeur du groupe de le remplacer. Ce chauffeur, c'est le chanteur du groupe Fraternity et c'est aussi un pote de George Young. Ce chanteur, c'est Ronald Bon Scott. Il est écossais d'origine comme les frères Young, mais il est plus âgé et plus expérimenté. Grâce au succès live du groupe, il se voit proposer un contrat chez Albert Productions pour l'Océanie, puis plus tard chez Atlantic Records pour l'international, et AC/DC sort donc son premier album, High Voltage, en 1975. Le style est très glam rock, très axé guitare vu que c'est les frères Young qui composent quasiment toutes les musiques. Le succès est alors pour le moins mitigé et le groupe procède à de nouveaux changements à la section rythmique. On retrouve maintenant Phil Rudd à la batterie et Mark Evans à la basse et cette formation va marquer le début de la première grande période d'AC/DC, la génération Bon Scott. Deuxième album du groupe, mais premier avec ce cast, c'est l'album TNT qui sort en 75 uniquement en Australie et en Nouvelle-Zélande et qui a été enregistré en à peine 10 jours. Le premier morceau de cet album sort également en single et vous allez voir, il est pas banal. It's a long way to the top if you want to rock and roll n'a rien d'un single classique. La chanson est longue, plus de 5 minutes, elle parle des difficultés du groupe à ses débuts pour se faire connaître, et au lieu d'un solo de guitare classique, les écossais d'AC/DC rendent hommage à leurs racines en mélangeant des phrases à la guitare et des phrases à la cornemuse. Ça pour être rock and roll, c'est... C'est techno, quoi. Pour faire la promo du morceau, le groupe tourne un clip à Melbourne en Australie, dans un camion ouvert circulant au milieu du trafic. Pour leur rendre hommage, la ville a d'ailleurs nommé une rue adjacente AC/DC Lane en 2004, ce qui est bien sympa, mais en 80 c'était un peu moins cool. A l'époque, une émeute avait éclaté devant le club où AC/DC se produisait. C'était un club de genre 300 places, et plus de 12 000 personnes s'étaient battues pour essayer de rentrer. Vous imaginez le bordel. Dans la foulée, le gouvernement de l'état de Victoria avait interdit au groupe de se produire sur scène, et c'était la même chose à Wellington en Nouvelle-Zélande, où le gouvernement avait qualifié AC/DC de pollution sonore. Le groupe connaît alors ses premiers succès internationaux, car High Voltage sort en mai 76 dans une version internationale avec des morceaux des deux premiers albums. La même année, le groupe sort un nouvel album, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, qui ne sortira en fait aux US que 5 ans plus tard, quand le groupe sera bien plus installé. Alors le titre de la chanson éponyme vient d'un cartoon de 1962 que Angus Young aimait bien regarder à la télé, Beanie and Cecil. Le morceau est caractéristique du style d'AC/DC, avec un son dangereux et agressif, des guitares lourdes et une voix qui devait sûrement effrayer les fans de pop et de disco. Alors dans les paroles, Bon Scott donne un numéro de téléphone qui existait vraiment et dont les propriétaires aux US, dans l'Illinois, ont assigné le groupe en justice et ont perdu, mais qui s'apparente aussi à des mensurations avantageuses dans le format anglo-saxon. Le groupe se produit alors en Europe lors d'une grande tournée en 76 où ils font les premières parties entre autres de Black Sabbath, Kiss ou Van Halen et leur volent même parfois la vedette. Il rentre en Australie pour enregistrer un monument, Let There Be Rock. Les morceaux Hell and Bad Place to Be, Whole Lotta Rosie and Let There Be Rock deviennent rapidement des incontournables du groupe. Les critiques sont excellentes et redonnent du baume au cœur au groupe alors que les mecs savaient pas trop ce qu'ils allaient devenir vu le tournant que prenait la musique sur la scène européenne. C'est toujours le frangin George Young qui produit, avec l'aide du fidèle Harry Vanda, et non, il ne s'agit pas d'un poisson. Les paroles du titre éponyme font référence à la naissance du rock'n'roll, le titre est long, plus de 6 minutes de pur rock, et durant l'enregistrement, la légende raconte que l'ampli d'Angus Young a littéralement explosé. Son frère George lui crie malgré tout de continuer, ce qu'il fait, alors que le truc part en fumée. L'idée en fait c'était vraiment d'enregistrer dans les conditions du direct, d'être le plus proche du live possible. Sur scène, la chanson est un moment fort du show, faut dire qu'elle a été jouée à chaque concert depuis 1978, parfois même en version XXL jusqu'à 20 minutes avec des solos de guitare à rallonge qui permettent à Angus Young de faire son fameux spasm move où il se lance par terre sur le dos et s'agite comme un bébé en faisant des cercles avec sa guitare. Il a d'ailleurs aussi un autre move caractéristique, le Doug Walk, qu'il a librement pompé sur Chuck Berry et qui donne au groupe une signature visuelle que les fans adorent. Alors ce groupe justement, Mark Evans le quitte juste avant la tournée américaine où AC/DC joue dans des petites salles ou fait des premières parties avec un nouveau bassiste, l'indéboulonnable Cliff Williams, qui est le bassiste attitré du groupe depuis 1977. En 78, le groupe sort l'album Power Rage et un premier album live, If You Want Blood, You've Got It. Mais le meilleur est encore à venir. Love and free, season ticket on a one-way ride.
Alors ça, c'est l'album de la consécration. Le premier album du groupe qui se fait une place dans le top 20 américain. Un album phare, un classique, qui a sa place dans le classement des 500 meilleurs albums de tous les temps du magazine Rolling Stone. La raison de ce succès ? Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, le groupe change de producteur, après avoir essayé de collaborer avec Eddie Kramer, qui avait pourtant bossé avec Hendrix et Led Zeppelin, mais dont le style trop procédural ne convenait pas à AC/DC. Bye Bye George et Harry, donc, et Welcome Mutt Lange, un producteur sud-africain qui a notamment bossé avec et épousé Shania Twain, mais il a aussi produit entre autres Bryan Adams, Céline Dion, Nickelback ou encore Muse. Lange conserve l'esprit rock brut, le minimalisme du groupe, et en tant que chanteur lui-même, il donne des conseils à Bon Scott, notamment sur sa respiration, ce qu'on entend par exemple sur Touch Too Much. Toujours dans le registre vocal, c'est lui qui suggère l'ajout de chœur et de deuxième voix, qui ajoute de la profondeur et de la mélodie. Idem avec Angus Young, Lang se montre gentiment paternaliste et dirige le guitar hero pour lui faire jouer les bonnes notes, les tenir quand il faut, où il faut, pour maximiser son expressivité. Ensuite, il y a le morceau éponyme. Si on peut croire parfois que l'autoroute de l'enfer c'était la façon dont Angus décrivait les tournées en Amérique, en fait, l'histoire elle est beaucoup plus terre à terre. Highway to Hell, c'est tout simplement le surnom de la Canning Highway à Fremantle, près de Perth, en Australie occidentale. C'est une route qui va en gros de là où Bon Scott habitait, jusqu'à un pub qui s'appelle The Raffles, et quand on s'approche du pub, bah la route devient vachement pentue. Donc à l'époque, il n'y avait pas de panneau stop ou de limitation de vitesse, et tout le monde se crachait à la chaîne, et le nombre d'accidents mortels était tout simplement too much. C'était juste la route de l'enfer. Une autre théorie relevée plus tard par Brian Johnson raconte que cette Highway to Hell, c'est le surnom de la route interminable du sud de l'Australie qui relie Melbourne à Perth. Alors musicalement, le morceau paraît relativement simpliste, pourtant il est assez diabolique, évidemment, à mettre en place rythmiquement. Et c'est un bon aperçu des techniques de composition du groupe. Le morceau étant là, la rythmique en croche et les coups de médiator sont donnés vers le bas pour donner plus de pêche, plus d'énergie au riff qui joue autant sur les accords que sur les silences. Et on peut dire qu'après un accord d'Angus Young, le silence qui suit est encore d'Angus Young. La structure du morceau est simple, elle est facile à mémoriser et les petits rigolos diront que c'est une autoroute du début à la fin. Sur le solo, notre guitar hero se fait plaisir en alternant les gammes pentatoniques majeures et mineures de la, tandis que la section rythmique est typique d'AC/DC. De la puissance et vous l'aurez deviné, de la puissance. La basse joue principalement les fondamentales des accords de façon continue, entêtante, sans fioritures. Alors que Phil Rudd à la batterie envoie un rythme impeccable, bien au fond du temps, bien posé, complètement entêtant. En vrai, chez AC/DC, rien que le duo basse-batterie, ce serait déjà presque suffisant pour banger toute la journée. On a donc aussi les chœurs, qui ajoutent énormément au groove du morceau, et les fameux slides d'Angus. Enfin, les paroles de Bon Scott évoquent donc son train de vie, et de ses potes entre luxure, sexe et fêtes interminables, avec son timbre de voix si particulier, et son sourire de jeune premier, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Et justement, le bon Dieu, si on y croit, Bon Scott va faire sa rencontre de façon très, voire trop prématurée. On y arrive, mais avant je vous montre quelques extraits de films et de séries où on entend la chanson, devenue un véritable classique parmi les classiques. Le groupe commence alors à bosser sur son 7ème album, Back in Black. Bon Scott a donc le visage d'un jeune premier, mais il a une vraie face sombre, dont il reconnaît ouvertement l'existence, il boit trop. Angus Young a raconté que dès le premier concert du groupe, Bon Scott s'était envoyé toute une bouteille de bourbon, puis un peu, voire beaucoup de drogue. Mais c'était le leader, mais vu qu'il était plus âgé, les autres le regardaient et faire de façon un peu désabusée. Puis comme on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Antisocial de Trust, Bon Scott est alors à Londres en février 1980 et il bosse notamment sur l'adaptation en anglais de textes de Bernie Monvoisin avec qui il jamme sur le morceau Ride On d'AC/DC. Ce sera en fait le dernier enregistrement connu de Bon Scott, car 3 jours plus tard, il est retrouvé mort dans une Renault 5, asphyxié dans son vomi, après avoir beaucoup, beaucoup trop bu. Le reste du groupe est sous le choc, le sol s'écroule sous leurs pieds alors que leur projet musical avait enfin un sens et que leur succès était chaque jour plus grand. Alors que faire alors? Tout arrêter, comme Led Zeppelin après la mort de John Bonham, ou continuer comme l'ont fait les Foo Fighters à la mort de Taylor Hawkins? Et bien la réponse, elle viendra directement des parents de Bon Scott, qui insistent lourdement pour que leur fils continue de vivre à travers la musique du groupe. Avec leur bénédiction donc, les autres membres n'ont pas le choix, ils doivent se trouver un nouveau chanteur. Alors Bon Scott, il avait un timbre vraiment très particulier, et lors d'auditions que le groupe organise à Londres, un certain Brian Johnson se présente via des recommandations, et il reprend Whole Lotta Rosie and Let There Be Rock, avec une telle précision que le groupe lui offre quasi instantanément le poste de chanteur. Un poste dans lequel Brian doit asseoir sa propre personnalité, imposer sa patte et ne pas faire de copier-coller de ce que faisait Bon Scott. Et bingo, Brian Johnson, c'est le changement dans la continuité, comme dirait l'autre.
Alors après l'autoroute de l'enfer, les cloches de l'enfer. Back in Black s'est maintenant mué en album hommage. Le disque commence par des sons de cloches, et les concerts également, avec une énorme cloche en bronze d'une tonne et le nom du groupe dessus. La pochette de l'album est noire, le titre est en relief et le nom du groupe est en blanc. Sobre, classique, élégant. Crédibilité, déconnabilité. Alors toujours sous la houlette de Mutt Lange, les enregistrements se sont faits à Nassau, aux Bahamas, et la production à New York, au studio Electric Lady, vous vous en souvenez? C'était les studios de Jimi Hendrix. L'album sort fin juillet 80, et c'est un carton fulgurant. Le public veut voir ce que le groupe a encore dans le ventre, comment il rend hommage à son défunt chanteur, qui était un chouchou du public, et comment Brian Johnson prend la relève. L'album contient une bonne partie des grands classiques du groupe, et les ventes sont, comment dire, phénoménales. Back in Black, c'est tout simplement le deuxième album le plus vendu de tous les temps, juste derrière le Thriller de Michael Jackson, mais devant par exemple le Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Il y a aussi le morceau éponyme bien sûr, mais il y a aussi Shoot to Thrill, You Shook Me All Night Long ou encore Hell's Bells donc, dont on a entendu un extrait. Sur ce morceau, on entend cette fameuse cloche qui sonne non pas 12 fois pour les 12 coups de minuit de la vie de Bon Scott, mais 13, le 13e coup arrivant d'ailleurs un peu en retard des 12 autres. 13 pour énerver l'église, et 13 parce que tous les superstitieux y voient un signe. Le signe de la mort évidemment, mais aussi un certain espoir. 13 c'est le nombre de la chance pour certains, et donc du renouveau. Les paroles laissent pourtant quand même peu de doute, elles sont sombres, elles parlent de peur et de mort imminente. Alors pour l'anecdote, enregistrer cette cloche, ça a été une grosse galère, parce que ses harmoniques sont très particulières. Le producteur a dû utiliser une quinzaine de micros différents pour en capter toutes les subtilités, puis il a ralenti les bandes, bref, il n'y a que 13 coups, mais ça a été énormément de travail. Et d'ailleurs plus tard, quand Metallica a sorti For Whom the Bell Tolls, les mecs se sont vachement moins emmerdés et ils ont pioché directement dans une bibliothèque de sons. Encore un méga hit du groupe, bien hard rock, avec son riff d'intro mythique, peut-être un des riffs les plus reconnaissables de l'histoire du rock. Il est simple, basé sur des accords de puissance comme très souvent dans le style d'AC/DC, et il est direct, accrocheur. On note la présence de chromatisme, qu'Angus Young utilise également sur d'autres morceaux, pour créer une sorte de tension. Quant à Brian Johnson, ses parties vocales haut perché, rugueuses et puissantes sont livrées avec une attitude agressive, ce qui donne encore plus d'intensité. Le public est conquis et l'album suivant, For Those About To Rock We Salute You, enfonce le clou. Brian Johnson est définitivement adopté par les fans. L'album sort en décembre 81 et signe la dernière collaboration avec le producteur Mutt Lange. Alors c'est le premier album du groupe qui devient numéro 1 aux US et la suite va pas être super facile pour AC/DC. Car le début des années 80 c'est la montée en puissance d'autres pointures du hard rock et du metal, Iron Maiden, Aerosmith et surtout Metallica. Entre 83 et 85, AC/DC sort deux albums, Flick of the Switch et Fly on the Wall, mais ils sont plus fades. Ils ont pas de gros hits qui se démarquent vraiment. Faut dire que pour ces albums, les mecs ont décidé de s'auto-produire. Et forcément, le rôle du producteur dans le rock en général, je dis bien en général, bah c'est ultra important. C'est le mec qui sait souvent faire la différence entre une très bonne chanson et un tube. Alors en plus, avec ses problèmes de drogue et ses emmerdes avec Malcolm Young, le batteur Phil Rudd décide de quitter le groupe et il est remplacé par Simon Wright. En 1984, le groupe regagne d'ailleurs un peu le cœur du public en sortant un EP baptisé 74 Jailbreak qui contient 5 chansons de 1974 chantées par Bon Scott. Mais le sursaut du groupe au milieu des années 80, on le doit surtout à Stephen King qui réalise le film Maximum Overdrive et qui fait une proposition au groupe qu'ils ne peuvent pas refuser, produire la bande originale du film. Il en résulte l'album Who Made Who, qui comprend quelques titres originaux et qui reprend aussi plusieurs de leurs succès, notamment ce titre. Alors le film et sa BO remettent le groupe en selle, et dans la foulée, AC/DC enregistre Blow Up Your Video, leur 11e album studio, enregistré en France dans les studios Miraval. L'album marque le retour des producteurs Harry Vanda et du frangin George Young. La tournée qui suit la sortie de l'album dure un an, marquée par les nouveaux tubes Heat Seeker ou That's the Way I Wanna Rock and Roll. Alors qu'en bon écossais australien Angus Young carbure au thé, Malcolm, en bon écossais australien, carbure lui à la bière et à tout type d'alcool. Il sait qu'il va pas bien, il pense qu'il tire le groupe vers le bas, commence des sessions aux alcooliques anonymes et se retire du groupe, laissant sa place de guitariste rythmique à son neveu Stevie Young. C'est toujours une affaire de famille. En parallèle, Simon Wright laisse lui sa place au batteur Chris Slade. Ce AC/DC nouvelle mouture enregistre un nouvel album, à cheval entre l'Irlande et le Canada en 1990, et Razor's Edge sort en septembre de la même année. Il est produit
par Bruce Fairbairn, dont on avait parlé pour son travail avec Bon Jovi notamment. L'album se vend très bien, plus de 3 millions d'exemplaires, un succès que AC/DC n'avait plus vu depuis Back in Black. Faut dire que l'album est extrêmement bien produit et qu'il contient notamment cet énorme classique. Écrit par les frères Young, Thunderstruck a ce riff si particulier qu'Angus a trouvé alors qu'il faisait mumuse avec sa guitare. S'il l'a trouvé en jouant uniquement avec la main gauche, et c'est ce qu'il montre d'ailleurs sur le clip officiel, sur le CD et lors des concerts, ne vous y trompez pas. Angus le joue tout en aller-retour à la main droite, ce qui rend le riff assez ardu à jouer, surtout qu'il dure et dure et dure. Le titre de la chanson est venu à Angus alors qu'il était en avion et que celui-ci a été frappé par la foudre et a failli se crasher. Alors aux US, le titre n'est pas sorti en single, ce qui a permis de booster artificiellement les ventes d'albums. Le morceau est tellement devenu un classique qu'il a été utilisé dans d'innombrables films, séries, jeux, etc. Mais perso, la version qui m'éclate le plus, c'est celle de Matt MacMillan qui a enregistré les bruits de son bébé pour en faire une version complètement improbable. En 1993, le groupe sort le single Big Gun, qui sert de bande originale au film Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger. Puis en 1995, Phil Rudd récupère officiellement ses baguettes pour enregistrer l'album Ballbreaker avec encore de gros bangers comme le titre éponyme Ballbreaker, Hail Caesar ou Hard as a Rock, dont on écoute un extrait. Cet album renoue avec le power blues électrique qui a rendu le groupe populaire. Pour l'occasion, c'est le fameux Rick Rubin qui les produit, vu que grâce à lui, ils avaient déjà fait un retour gagnant avec Big Gun. La deuxième moitié des années 90 est plus calme pour le groupe, et puisque c'est calme, je pense que c'est le bon moment pour parler de ce que vous attendez tous. Matos. Alors chez AC/DC, vous l'aurez remarqué, il y a deux guitaristes qui sont frères donc, et on va donc parler des deux, mais surtout d'Angus Young qui est honnêtement celui dont l'image et l'héritage sont les plus importants. Alors pour parler d'Angus, il y a trois choses à aborder. Son son, son image et son style. C'est parti. Pour son son, outre ses cordes Ernie Ball et ses médiators Fender Extra Heavy, Angus Young est clairement indissociable de ses Gibson SG qui ont la particularité d'être franchement légères. Il a quelques modèles signature à son nom évidemment, et pas mal de déclinaisons de la mythique SG standard. Alors d'abord sa toute première guitare, c'était justement une SG standard 70-71, mais pas rouge, plutôt couleur noisette, qu'il a acheté à Sydney et qu'il a utilisé sur les tout premiers albums d'AC/DC jusqu'en 1978, et qu'il a complètement rendu inutilisable à cause de sa transpiration excessive. En 78, Angus achète quelques Gibson SG sur la 48e rue à New York, et pour la petite histoire, c'est également de là que vient la photo de moi qu'on voit sur la bannière. Il acquiert aussi une SG Custom noire, qu'il utilise durant la tournée de Highway to Hell en 79. En 80-81, on aperçoit en couverture d'un magazine Angus avec une vieille SG standard Sideways Vibrola des années 60, avec un vibrato donc, mais j'ai pas trouvé grand chose sur cette gratte en particulier, donc si vous en savez plus, bah dites-le moi dans les commentaires. Alors la collection de SG continue, on a entre autres une JD Custom, une Brian Ray, c'était le guitariste de Paul McCartney, quelques SG standards avec des micros différents, et même une SG Junior qu'on voit lors de son passage chez Howard Stern en 1997. En complément de ses guitares, Angus Young ne jure que par des amplis Marshall, ou presque. Il y a beaucoup de vidéos où on le voit jouer sur des JMP 2203 Master Volume, en particulier sur les premiers albums, grosso modo de 77 à 83. Pour les solos de Back in Black, c'était plutôt un Marshall Lead modèle 1987 de 50 watts, mais le gros son typique d'Angus en live, c'est 9 têtes Marshall 100 watts super lead avec des câbles 4x12. C'est ces têtes qui permettent de vraiment pousser la guitare en avant et de la rendre audible dans un stade. On peut aussi mentionner les amplis Wizard Amps, créés par un ingénieur canadien, que Angus a utilisé à partir de la fin des années 90. Alors niveau effet, Angus est très spartiate vu qu'il en utilise pas, ou quasiment pas. Il y a bien ses Kikusi PCR 4000M qui lui permettent de contrôler quelle puissance il envoie aux amplis, et ce Schaeffer Vega Diversity System, un système sans fil qui lui permet de courir partout sans se prendre les pieds dans un jack. Mais c'est pas sa seule utilité, parce qu'il y a également un boost qui lui donne un overdrive supplémentaire. Alors le fait que les Gibson SG soient si légères, bah c'est bien pratique pour Angus, parce qu'il faut savoir qu'il ne mesure que 1m57. Le mec est vraiment tout petit, et le costume d'écolier lui va donc comme un gant. Il déborde d'énergie comme un gamin, sur scène il court, il saute, il fait des striptease, et il adore jouer avec le drapeau du pays où le groupe se produit, jusqu'à en montrer les couleurs sur ses sous-vêtements. Pour coller à l'image diabolique du groupe, on le voit souvent faire les cornes du diable avec ses index, un signe qui est passé d'ailleurs à la postérité. Quant à son style guitaristique, il vient de là, il vient du blues. Biberonné au Little Richard, Chuck Berry, Muddy Waters et évidemment Jimi Hendrix, Angus Young utilise principalement des gammes pentatoniques, majeures et mineures, en ajoutant la fameuse Blue Note. Sa technique favorite, ce qui rend son son distinctif, c'est son vibrato
main gauche vraiment puissant, qui ajoute de l'expressivité, notamment à ses bends qui sont pas les plus précis du monde, mais c'est pas hyper grave parce que ça ajoute du feeling, du mojo, et c'est exactement ce qui fait la force d'ACDC. Alors 2-3 mots sur Malcolm Young avant de refermer cette page. Sa guitare caractéristique, c'est une Gretsch Jet Firebird de 63, surnommée The Beast, customisée d'ailleurs avec un troisième micro. On l'a vu aussi avec des Telecaster, des Gretsch White Falcon ou encore des JD Jet Custom, entre autres. Niveau ampli, c'est la même cuisine que son frère, mais là où ça change, c'est que comme Malcolm est collé à la rythmique, il peut se permettre d'utiliser des cordes à très fort tirant, en l'occurrence du 1256 si ça vous parle. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de cordes, ça va clairement vous faire hyper mal aux doigts, parce qu'il faut vraiment appuyer comme un bûcheron pour les faire sonner. Mais par contre, quand ça sonne, ça sonne. Il y a plus de force, de sustain, exactement ce qu'il faut à Malcolm pour parfaitement complimenter le jeu d'Angus. Alors voilà, on est presque à la fin du millénaire, et AC/DC sort un nouvel album en 2000, Stiff Upper Lip, et la lassitude recommence à se faire sentir. L'album marche bien, porté par le single du même nom, mais on lui reproche encore et toujours son manque d'originalité. En même temps, les mecs font du power rock'n'roll, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est dur d'en attendre autre chose. Pendant plusieurs années, AC/DC ne va plus sortir d'album, mais on continuera de parler d'eux quand même. Le single Safe in New York City est privé d'antenne à la suite des attentats du World Trade Center. La musique du groupe est utilisée dans des jeux vidéo musicaux du type Rock Band, mais leur présence sur scène est bien moins abondante. AC/DC se remet donc au travail, et en 2008 sort Black Ice, dont le succès est immédiat, devenant numéro 1 en Amérique du Nord et en France aussi. En 2010, le groupe sort la BO du film Iron Man 2, qui est une compile de leurs plus grands succès utilisés dans le film. Puis en 2014, le groupe revient à nouveau avec Rock or Bust, l'un des plus gros succès de cette année-là. Malheureusement, Brian Johnson commence à avoir de sérieux problèmes d'audition. Sur scène, il se fait carrément remplacer par Axl Rose, le chanteur des Guns N' Roses. Pourtant, c'est rien à côté des problèmes de santé de Malcolm Young qui se détériorent rapidement. Cancer du poumon, AVC, il souffre maintenant de démence chronique et porte un pacemaker. Mais rien n'y fait. En novembre 2017, il meurt à l'âge de 64 ans seulement, quelques semaines après son grand frère George. Et c'est à l'occasion de ses funérailles que le groupe se retrouve et décide de continuer encore et toujours. Ainsi, en novembre 2020 sort le dernier album d'AC/DC à ce jour, Power Up, qui rend hommage à Malcolm avec le cast originel Rude, Williams, Johnson, Young, chacun ayant eu quelques déboires personnel. On est maintenant dans un nouveau creux de la vague, mais on peut compter sur AC/DC pour ne pas débrancher tout de suite. 50 ans de carrière, 17 albums studio, plus de 200 millions d'albums vendus, AC/DC c'est LE groupe qui représente sans doute l'essence même de ce qu'est le rock dans sa forme la plus pure, la plus basique, la plus essentielle. 50 ans de riffs mythiques qui ont inspiré plusieurs générations de guitaristes, plus de 2000 concerts aux quatre coins du monde, dans des stades gigantesques, des musiques utilisées par des équipes de sport, des films, des séries, des jeux vidéo, AC/DC est partout, électrifiant un monde qui leur a pris plusieurs de ses membres, faisant encore et toujours plus de bruit, et croyez-moi, ils ont encore des si belles années devant eux. Voilà, on va pas finir sur cet excellent jeu de mots, mais plutôt par un remerciement à Novium. Je vous rappelle que j'ai vraiment adoré l'expérience d'écriture avec leur overpen, alors faites-vous plaisir, faites de même, utilisez le code promo dans mes cordes, tous les détails sont dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, ou dans une des vidéos qui s'affiche. Salut !